jeune douanier du nom de Alaoudin Barry, a été arrêté hier par le haut commandement de la gendarmerie nationale. Il est reproché à ce capitaine, recruté par Alpha Condé parmi les 518 jeunes comptables publics, d'être intervenu au téléphone dans une émission à grande écoute de RFI pour dire que ce n'est pas à cause du troisième mandat qu'il y a eu coup d'État en Guinée. Plus loin, Barry accuse dans la même émission le colonel Doumbouya d'être un acteur majeur de ceux qui ont sécurisé le processus de la révision constitutionnelle, cette sortie publique d'un officier paramilitaire. Chef de la cellule de ciblage des douanes de l'aéroport de Conakry a été considéré comme une violation de son obligation de réserve prévue par les textes en vigueur. Alaoudin Barry était le porte-parole du groupe des 518, des jeunes inconditionnels du régime déchu, qui avait permis, pour un grand nombre parmi eux, d'avoir leur premier emploi et surtout de s'enrichir rapidement.